Oui, bonjour, donc on est le 18 juin, on est à Lagnes. C'est un parcours spécial, c'est un nouveau format, un premier concept en France. Allez, une heure et demie et c'est parti hein. Ce nouveau concept de spécial en fait, c'est par tronçon chronométré. C'est quelqu'un qui est connu, donc son terrain de jeu, on va essayer de faire un bon moment. Ça change un peu des courses habituelles en fait. Hein. Le profil sympa et qu'on aime bien courir dans les endroits originaux. C'est parti, allez, c'est parti. On dirait la course du dimanche entre les copains. C'est ça qui est sympa. C'est à la fois de la course et de l'entraînement. Ouais, je pense même qu'on peut dire que c'est à la fois de la course et de l'entraînement. C'est un vrai trail, c'est très bien, c'est bien cassant, donc on a le temps de se poser un peu avant de repartir, c'est parfait. C'est sympa comme principe, trop bien. Ouais, oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On a été ? Ouais. Ouais, super. C'est vrai que l'accent est vraiment sur le plaisir encore plus. Mais il reste sur la compétition, mais il est beaucoup plus sur le plaisir qu'on pourrait dire sur un trail de format classique. Après ce qui s'est passé aujourd'hui et à la suite des diverses réactions qu'on a pu collecter, je pense que l'enduro a véritablement de beaux jours devant lui. Je suis satisfait du résultat et le résultat, ça me motive, c'est sûr, pour le refaire. Donc on peut se donner rendez-vous en 2017 pour la deuxième édition de l'enduro Lagnes. Merci Andy, c'était génial. Merci. Bravo.